Les expulsions locatives ne reprendront pas le 31 mars prochain. La trêve hivernale est prolongée jusqu'au 1er juin. C'est la ministre déléguée chargée au logement, du logement, Emmanuelle Wargon, qui l'a annoncé hier. Elle sera d'ailleurs l'invitée de Jean-Jacques Bourdin ce matin à 8h30. Le gouvernement s'engage en parallèle à accompagner les propriétaires lésés. Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre salue ces 2 mois de sursis en pleine pandémie et espère une solution à long terme. C'est une bonne nouvelle pour les ménages qui étaient menacés d'expulsion et qui avaient peur d'être expulsés à partir du 1er avril 2021. Donc ce sont 2 mois de sursis qui sont bienvenus, mais il ne faudrait pas que ce soit reculé pour mieux sombrer à partir de juin. Et ça doit laisser le temps de trouver des solutions. Les locataires en impayés condamnés à l'expulsion, une de leurs seules chances de trouver une porte de sortie, c'est de se voir attribuer un logement social. Donc il faut qu'il y ait une priorité donnée aux ménages qui sont menacés d'expulsion. Ils sont déjà prioritaires dans la loi, il faut que ça devienne, qu'ils soient prioritaires en fait, et ce n'est pas toujours le cas.